Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on vous retrouve aujourd'hui à Londres où nous allons visiter la toute nouvelle exposition Harry Potter qui se situe à Covent Garden, donc en plein cœur de Londres. Et on avait vraiment beaucoup d'espoir à l'idée d'aller visiter cette nouvelle exposition qui s'appelle Harry Potter et l'exposition photographique. Alors bon, on va pas se mentir, très sincèrement, l'expérience n'aura pas été absolument géniale. Mais voilà, c'est une exposition qui n'est pas appelée à rester de manière permanente à Londres. Elle va certainement bouger dans quelques mois ou dans quelques années dans différentes villes du monde entier. Et donc, on voulait vous présenter en fait un petit peu cette exposition. Alors, l'entrée, en fait, elle est très simple, hein. Vous arrivez, vous êtes accueilli tout de suite par la Ford Anglia. Et ensuite, vous descendez un escalier accompagné par les lettres de Poudlard. Alors en fait, en réalité, vous allez avoir droit à un véritable parcours scénique, hein, quelque part, qui va vous mener au cœur de l'histoire même de Harry Potter, telle que nous avons pu la vivre dans les films et dans les livres. Alors, on est tout de suite un peu interloqué parce qu'on va se retrouver en fait souvent avec des objets, là en l'occurrence la lettre d'admission à Poudlard, dans une version quand même extrêmement grande en fait pour que les gens puissent se prendre en photo dessus. Parce qu'en fait le concept de cette exposition est assez étrange, c'est-à-dire que à la fois ils mettent en place des tas de scènes où on peut se prendre en photo, là pareil avec Private Drive, et ensuite c'est une exposition en fait de photos. Alors les photos c'est généralement des captures d'écran des films ou alors des photos de production qu'on a déjà vues un milliard de fois dans quasiment tous les livres making of de Harry Potter ou même dans les DVD. Donc là pour le coup c'est vrai que c'est un peu étrange. Alors il y a les gens qui se prennent vraiment en photo, donc bon pourquoi pas, mais ça fait assez peu instagrammable, d'autant plus que vous allez peut-être vous en rendre compte à l'écran. Même si la qualité n'est pas extraordinaire parce que l'exposition est en fait très sombre, la qualité des photos est absolument catastrophique. La plupart du temps, ça pixelise à mort. Là, vous pouvez voir effectivement qu'on est sur une pixelisation quasi maximale et que les images n'ont pas du tout été retravaillées. Et c'est vrai que bah, du coup, la résolution est franchement pas bonne. Alors, bon, quand on rentre, alors c'est vrai, voilà, il y a de la musique, on entend les musiques principales de Harry Potter, bon, il y a la Ford Anglia, etc. On se dit, bon, allez, pourquoi pas, mais c'est vrai que quand on rentre tout de suite on est quand même un petit chouïa interloqué par le principe, mais bon après tout pourquoi pas, on est des fans de Harry Potter donc on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Il faut savoir que pour le lancement de cette exposition, la Warner a vraiment mis le paquet pour justement bah, présenter en fait le fait que c'était voilà, une révolution, puisque là pour le coup on est en plein cœur de Londres. Alors de temps en temps vous avez des costumes, il y en a très peu, vous allez voir. Là en l'occurrence c'était une robe portée par Harry Potter dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Bon, ça c'est toujours sympa pour le coup de voir des costumes qui ont vraiment été portés, qui ont été utilisés à l'écran. On sait que les coffres de la Warner sont pleins de ce genre de costumes, etc. qu'on voit finalement assez rarement en dehors des studios, donc ça c'était plutôt plaisant. Et ensuite, là, comme vous pouvez le voir, bah, ça commence en fait avec une exposition de photos. Alors, des petits messages voilà, sous forme de panneaux, alors qu'ils ne sont pas du tout traduits en français, ils ne sont qu'en anglais, où on vous explique un peu la genèse du projet. Donc là, en l'occurrence, on était vraiment sur la genèse de Harry Potter, de sa publication en Grande-Bretagne et dans le monde entier. Bon, j'ai envie de dire c'est pas mal, là il y avait différents types de couvertures, des romans parus à l'étranger. Bon, ça mange pas de pain, c'est plutôt sympa. Alors vous avez aussi de temps en temps des citations de J.K. Rowling, de Stuart Craig, de David Yates, de certains acteurs aussi. Bon, c'est toujours sympa parce que voilà, ça permet de finalement se mettre un petit peu dans l'ambiance. Et au final, en fait, on va vite se rendre compte qu'il n'y a véritablement que ça d'ailleurs pour se mettre dans l'ambiance. Parce que si on enlève la musique, finalement, bah, l'exposition en tant que telle, comme vous avez pu le voir, et comme vous allez le voir dans cette vidéo, elle est un peu décevante. Donc vous avez des murs, voilà, comme ça, entiers, où là vous allez vous retrouver, voilà, avec différentes photos, donc avec le producteur, le réalisateur qui sont en grande conversation sur une table. Ensuite, bah, paf, on vous balance une capture d'écran du film. Et puis, bah, on vous balance une photo d'un décor. Bon, c'est... Pourquoi pas, enfin, l'idée en soi est intéressante, mais est-ce que véritablement c'était le bon médium de faire une exposition basée sur des photos qu'on a quasiment déjà tous vues un milliard de fois si on regarde un peu sur internet et dans les livres qui sont sortis, notamment je pense à l'extraordinaire Harry Potter, des romans à l'écran. Bon,
c'est pas nécessairement obligatoire, et encore une fois, surtout parce que la plupart des images sont vraiment en très mauvaise qualité. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir, on progresse dans le parcours scénique, c'est-à-dire que d'abord on reçoit la lettre d'admission à Poudlard, et là on arrive donc dans la zone du chemin de traverse. Alors la zone du chemin de traverse, elle est assez bien thématisée, puisque comme vous pouvez le voir, on a des photos, et là en l'occurrence on a un concept art d'ailleurs dont on possède une copie dans notre collection, voilà, du chemin de traverse et des décors préparatoires finalement pour l'illustrer au cinéma. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Alors là aussi, vous vous retrouvez avec trois écharpes qui se battent en duel. On se demande d'ailleurs pourquoi on n'a pas l'écharpe de Gryffondor, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça aussi, c'est pas mal. Là aussi, on a des agrandissements de photos. Bon, ouais, ok, super. Alors, les prix sont pas excessifs, mais il faut compter à peu près 20 pounds par personne, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de 25 euros, donc à deux, ça fait 50 euros. Bon, c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais après tout, bon, c'est Harry Potter, et de toute façon, on voulait vous offrir l'occasion, si vous ne pouvez pas vous rendre à Londres, de découvrir cette exposition, et là, vous allez voir qu'on vous a quasiment tout filmé de A à Z, et ça, pour le coup, vous ne le trouverez pas nécessairement très facilement sur Internet. Alors, voilà, au plafond aussi, de temps en temps, vous avez des choses, donc là, en l'occurrence, c'est des plans, en fait, de conception du décor du chemin de traverse. Bon, c'est assez bien fait, hein, là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est même intéressant de les voir, mais bon, là aussi, est-ce que ça vaut véritablement l'entrée? On n'est pas persuadé que ce soit véritablement le cas. Alors, de temps en temps, comme ici vous avez pu le voir, vous avez des écrans de télévision où là vous allez avoir finalement des extraits de featurettes qu'on peut voir d'ailleurs tous quasiment dans les DVD, dans les éditions collector des DVD. Bon, c'est là aussi c'est pas mal, mais bon, c'est voilà, vous pouvez le voir chez vous à la maison et c'est plutôt sympathique. Alors, comme vous pouvez le voir, les murs de briques là sur le côté, c'était des murs évidemment faits pour symboliser le passage sur le chemin de traverse, donc là aussi c'est un peu étrange, enfin, il y avait certainement mille et une autres solutions pour rendre le parcours scénique encore plus intéressant, mais bon, après tout, pourquoi pas, ce sont des choses qui peuvent exister. Là, vous avez 3 ou 4 baguettes d'Ollivander qui se battent en duel, bon, on est content de les voir, hein, mais voilà, il suffit d'aller au studio Alivesden pour évidemment en voir bien plus et en voir des quantités. Alors, là aussi, autre problématique finalement de cette exposition, c'est que tout est assez sombre. Alors c'est assez sombre évidemment pour que les gens puissent se prendre en photo. Mais comme vous allez pouvoir le voir avec cette photo justement de Hagrid et de Harry Potter sur le chemin de traverse dans Harry Potter à l'école des sorciers, bon voilà, vous vous retrouvez en fait devant une espèce d'immense photo, vous vous prenez à côté et c'est terminé. Alors après, évidemment, vous êtes invité à suivre les pas du maraudeur puisque vous allez continuer en fait cette expérience, ce voyage dans le monde magique petit à petit. Alors évidemment, là, on passe à Gringotts. Hein. Une fois que vous êtes allé sur le chemin de traverse, première étape, c'est Gringotts. Alors ils ont fait passer les boutiques avant, mais c'est pas grave. Donc là aussi, vous avez quelques artefacts. Alors pas grand chose de très très intéressant. Vous avez des galions, vous avez des mornilles et des noises. La seule chose, entre guillemets, qui a retenu pour le coup notre intérêt, c'est cette espèce de grand livre de contes que pour le coup on n'avait encore jamais vu au studio Alivesden. Donc voilà, ça c'est un truc sympa puisque là pour le coup c'est une réplique de quelque chose qui a été utilisé à l'écran pour Harry Potter à l'école des sorciers. Et ensuite vous repartez sur une lignée de photos, alors avec différents sets. Donc là c'est les sets qui ont servi pour Harry Potter à l'école des sorciers, voilà, avec les acteurs qui se font maquiller, qui se préparent. Bon, là aussi, c'est voilà, des choses qui sont très connues. Et puis, dans la même phase, vous avez l'évolution en fait de Gringotts en photo, seulement en photo, pour Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. Donc, bon, c'est toujours un petit peu dommage. Là, en l'occurrence, on aurait bien aimé en voir un petit peu plus, mais force est de constater qu'on ne pouvait vraiment, vraiment pas nous en donner plus. Et ça, c'est quand même quelque chose d'un peu dommage et bon, un peu désespérant finalement, mais bon, c'est comme ça, il y avait beaucoup de choses à dire sur Gringotts, mais ça n'a pas été le choix. Donc voilà, là vous ressortez encore avec des photos, alors celles qui datent des films, notamment qui sont parus en 2009, 2010, 2011, donc Le Prince de Sang Mêlé, Les Reliques de la Mort, partie 1 et partie 2, là pour le coup, on se retrouve avec des photos quand même d'une meilleure qualité, donc là au moins ça pixelise pas, bon, c'est déjà ça le fait, mais compte tenu du budget qu'il faut pour ce genre d'exposition, très sincèrement, ça aurait pas été du luxe de remasteriser quand même quelques photos, ça aurait été plutôt intéressant et bon,
ça n'a pas été fait, c'est quand même un petit peu dommage parce que du coup, enfin, voilà, si on imprime une photo en étant chez nous sur une petite imprimante Canon, et ben on aura sensiblement la même qualité de photo. Et bon, c'est voilà, sauf qu'on ne fait pas payer 20 pounds, donc 25 euros pour rentrer. Donc ensuite, là, va savoir pourquoi, on vous montre le Magicobus. Alors bon, c'est un peu étrange, on sort du chemin de traverse, on passe sur le Magicobus, on n'a pas bien compris là pour le coup la suite scénaristique, puisque nous ne sommes toujours pas arrivés à Poudlard, et donc la logique aurait voulu finalement qu'on fasse passer quand même le Poudlard Express un petit peu avant. Alors évidemment, une fois que vous avez fait le Magicobus, vous allez prendre enfin votre envol vers la gare de King's Cross. Alors là aussi, la thématisation, bon, est plutôt pas mal faite. Ils ont repris des piliers qui ressemblent sensiblement aux piliers de la gare de King's Cross. Bon, ok, pourquoi pas, mais donc voilà, vous passez juste sous une arche. Encore une fois, il n'y a pas véritablement de réflexion scénaristique sur la manière dont vous passez du chemin de traverse jusqu'à King's Cross, alors qu'il y aurait eu des choses à faire quand même avec la voie 9¾ et tout, donc bon. Là aussi, c'est reparti pour des textes d'explication, pour des extraits du film. Alors, de temps en temps, vous entendez le son, mais le son ne colle pas avec l'image, donc ça aussi, c'était un truc qui nous a un petit peu étonné. Mais bon, on peut mettre ça sur le coup que l'exposition venait vraiment juste d'ouvrir quelques semaines auparavant, donc on peut imaginer qu'il y avait encore des phases de rodage à faire, mais là c'est vrai que c'était un petit peu dommage. Et donc, encore une fois, vous repassez, malgré cette petite thématisation avec les colonnes qui ressemblent furieusement, au Poudlard Express. Donc là, vous allez avoir toute une carrière de photos qui vont vous présenter plusieurs plans, la manière dont ils ont utilisé le train, la manière dont ils ont tourné un certain nombre de scènes, le positionnement des caméras, le positionnement des acteurs. Bon, voilà, ça c'est les choses qui sont intéressantes, hein. C'est toujours intéressant d'imaginer, de voir la manière dont ont été pris les différents plans, etc. Mais c'est pas le truc finalement le plus passionnant du siècle, et il y avait peut-être mille et une autres choses à raconter, ce qui en l'occurrence n'a pas nécessairement été le cas. Alors là, vous pouvez reconnaître le viaduc de Glenfinnan. Vous savez, c'est là où on vous a fait notre tout premier vlog au cœur de la magie, où on vous montrait justement le Poudlard Express sur ce viaduc. Mais voilà, bon, encore une fois, c'est pas extraordinaire. Ensuite, on arrive à Poudlard. Alors là, on se dit, bon, on arrive à Poudlard, peut-être que les choses vont quand même devenir un peu sérieuses. Et là, on se retrouve finalement avec deux plumes, quatre ou cinq carnets, et à nouveau, encore une kyrielle de photos, dont on dirait d'ailleurs qu'elles sortent plus d'un guide touristique que de véritables photos prises par la production. Et c'est toujours un peu étonnant. Mais voilà, vous vous retrouvez avec quelques photos des lieux qui ont servi pour des tournages en extérieur, et encore, il n'y en a pas tous. Et ensuite, vous vous retrouvez avec des photos de la maquette que vous pouvez voir au studio de Livesden. Donc bon, là aussi, on est content, c'est une très bonne chose probablement de voir ça. Mais pour l'arrivée à Poudlard, on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus magique, d'un peu plus incroyable. Finalement, on en a peut-être demandé un petit chouïa trop. C'est comme ça, bon, on peut pas tout avoir dans la vie, donc vous allez vous retrouver avec une kyrielle, là encore, de photos. Vous allez voir différentes salles de Poudlard, différents plateaux qui ont été utilisés, toujours avec des immenses photos devant lesquelles vous pouvez toujours vous prendre en photo, mais si vous n'avez pas peur que ça pixelise à fond. Bon, ça aussi c'est sympa, mais on a envie de dire, ces plateaux, on les voit tous à Livesden. Si on a envie finalement de les voir, autant aller au studio, et au moins on les aura en vrai, pas en photo, sachant que les photos, encore une fois, vous pouvez les retrouver partout. Donc là aussi, vous vous retrouvez encore avec un petit film, avec finalement exactement les mêmes choses que vous pouvez trouver dans les bonus du DVD. Et bon, ça c'est toujours quelque chose de dommage. Alors oui, on aime bien aussi filmer les pas de la carte du maraudeur, parce que du coup on se dit que finalement c'était peut-être là où la thématisation était la mieux réussie. Comme vous pouvez le voir, on est quand même très 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 loin d'être convaincu finalement de ce spectacle auquel nous assistons. Alors là, vous vous retrouvez face à une espèce de gigantesque cabine téléphonique, on se croirait presque limite dans Doctor Who. Alors vous ne savez franchement pas ce que ça vient foutre ici, mais vous avez voilà des petites lucarnes où vous pouvez regarder là aussi des extraits du film, des extraits de making of. Alors c'est sensiblement la même chose à toutes les petites lucarnes. Bon, on n'a pas bien compris ou saisi le concept, mais après tout, pourquoi pas. Pourquoi avoir fait une espèce de cabine qui ressemble plus au Jarvis de Doctor Who, ça on sait pas trop, alors que bon, il n'y avait peut-être pas nécessairement de intérêt, enfin on n'a pas vraiment vu le rapport avec Harry Potter. Et ensuite là c'est reparti. Alors là vous pouvez carrément vous prendre une photo finalement avec carrément toute la production, les caméras, les machins, les trucs, les bidules imprimés sur une toile. Là aussi c'est complètement illusoire, mais pourquoi pas. Alors
Bon, quand on voit des objets, on se dit, tiens, on va peut-être découvrir des objets qu'on ne connaissait pas, etc. Bon, manque de bol, quasiment tous ces objets-là, on les voit tout le temps au studio, que ce soit dans la salle de potion ou sur le chemin de traverse. Bon, voilà, ce sont des répliques officielles, hein. C'est des répliques qui ont servi à l'écran, donc bon, c'est toujours plutôt sympathique de les voir. Maintenant, après, c'est vrai que pour 4 bocales qui servent dans une salle de potion et 4 ou 5 livres, bon, là aussi, c'est quand même un peu limité. On aurait aimé quand même en voir un petit peu plus plutôt que de voir une grande photo de Chris Columbus imprimée sur une bâche où ça pixelise à mort. Là, vous voyez, c'est là en fait où on atteint un petit peu la limite des choses, c'est que bah on se rend bien compte que finalement cette exposition est complètement vide, qu'il n'y a absolument rien à voir, mis à part des successions entières et entières de photos. Il n'y a même pas de maquette, il n'y a même pas de finalement bah, de magie quoi. Et puis bon, au niveau des costumes, là vous en avez vu un, vous n'en verrez que deux autres d'ici la fin. Bon, dont un, il est vrai qu'on ne voit absolument jamais, donc ça c'était plutôt sympathique, mais voilà, sinon ouais, vous vous retrouvez avec des photos, voilà, des différents réalisateurs qui se prennent en photo. Bon, c'est super, c'est très sympa, mais encore une fois, là-dessus on est vraiment sur quelque chose de limité. Par exemple, la cabane de Hagrid, bon, c'est pas un plateau qui est ultra énorme à reproduire, ils auraient très bien pu inventer un petit truc, un petit système qui permettait bah, finalement d'avoir la cabane de Hagrid au sein même de l'exposition. C'était vraiment pas compliqué, ça aurait été beaucoup plus magique, alors que là vous êtes entre trois infrastructures métalliques avec deux trois projecteurs bah au final voilà, et des photos bon qui sont très sympas. Alors après on est peut-être méchant parce qu'on revenait d'Écosse et qu'on avait pu tourner sur les lieux de tournage de Harry Potter. Alors peut-être que effectivement on était un peu blasé, mais encore une fois voilà, ces photos là vous tapez Harry Potter photo production sur Google, vous allez toutes les retrouver, et parfois même d'ailleurs on imagine en meilleure qualité. Alors ensuite, très gros problème aussi, c'est que les cast members, enfin cast members ça c'est pour Disneyland, mais en tout cas les membres du staff sont excessivement mal formés, c'est-à-dire que en fait ils vous sautent un petit peu dessus, ils viennent vous parler parce qu'ils sont super contents de voir des gens, parce qu'en réalité bah, comme vous pouvez le voir sur les images, il n'y a personne dans ces expositions là et ils viennent vous raconter en essayant de vous expliquer les choses, et en fait vous vous rendez compte en discutant avec eux 2-3 minutes qu'ils n'ont absolument aucune idée la plupart du temps de quoi ils parlent, c'est-à-dire que par exemple ils ne connaissent aucun des lieux qui a servi pour le tournage de Harry Potter. C'est un peu dommage, alors que là on explique finalement que on va vous montrer les coulisses, les décors, etc. Bah voilà, en fait le problème ils connaissent pas, et donc bah on a fini par leur donner un certain nombre d'informations, et ça c'était vraiment quelque chose pour le coup qui était excessivement dommage et qu'on aurait vraiment vraiment aimé faire différemment quoi, parce que c'est vrai que si on était tombé sur des membres du staff qui savaient de quoi ils parlaient et tout, bah ça aurait pu être sympa. Même par exemple là sur le costume d'Hermione en l'occurrence, ils avaient pas grand chose à dire, et sur les lieux de tournage encore moins, et donc on a fini par leur montrer les photos pour leur expliquer comment les choses avaient été tournées dans tel ou tel endroit, puisqu'on revenait tout juste de notre voyage de 3 semaines en Écosse, c'est vrai que bah, au final on a eu l'impression qu'on leur avait apporté plus de choses qu'ils ne nous ont apporté, et ça c'est quand même quelque chose d'un petit peu dommage, alors que juste une bonne formation et quelques trois anecdotes sur la manière dont ont été tournés les films, c'est pas quelque chose de fondamentalement compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Alors, cette fois-ci, grosse innovation, le costume porté par Lord Voldemort dans Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. Donc là, pour le coup, on était vachement content de le voir. On aurait adoré le voir encore mieux si la vitre, alors qu'il était relativement tôt le matin, n'avait pas été déjà dégueulasse de traces de doigts de la veille qui n'avaient pas été nettoyées. Bon, là aussi, on se dit, bon les gars, vous avez 4 ou 5 vitrines à nettoyer, ça nous semble pas ultra compliqué que quand on arrive le matin, elles soient pas dégueulasses avec des traces de sueur et d'autres graisses sur les vitres. Enfin, c'est quand même un peu étonnant, surtout qu'en plus on présente le costume de Lord Voldemort, partie 2. Bon, c'est impressionnant. Alors après, vous arrivez sur une zone où là, on va carrément vous proposer de vous prendre en photo bah, avec un fond vert, hein, comme au studio. Mais alors là, pour le coup, c'est un matraquage excessivement violent, c'est-à-dire que les membres du staff vont carrément vous sauter dessus, presque limite vous obliger en fait à prendre des photos que vous allez devoir payer en moyenne entre 25 et 30 pounds. Enfin, c'est assez agressif, on l'a assez mal vécu. Il y a deux sets, un set pour être sur un balai, un set pour être au ministère de la magie, et là vous vous dites bon au secours quoi, c'est un peu bizarre, et quand on leur dit bah merci mais non merci, enfin on a presque l'impression de leur avoir mal parlé, de les insulter, enfin c'est un peu étrange. En plus, toujours dans cette logique scénaristique, on passe Poudlard finalement au ministère de la magie, enfin on comprend rien là pour le coup, ils ont complètement perdu le fil scénaristique du
du lieu et de l'exposition, donc c'est un peu dommage. Alors là, on commence à rentrer dans la partie de l'exposition qui est la plus intéressante, et pour le coup, malheureusement, c'est la dernière, puisque là, on a quand même quelques photos et quelques plateaux des animaux fantastiques. Alors que ce soit du premier volet ou des crimes de Grindelwald, évidemment, à cette époque-là, il n'y avait absolument rien sur les secrets de Dumbledore, mais pour le coup, voilà, pourquoi pas, on a envie de dire, là, il y avait effectivement un petit truc en plus et des mystères évidemment qu'on n'avait pas nécessairement en tête puisque à ce stade on connaît pour l'instant quand même beaucoup moins bien la saga des animaux fantastiques que la saga Harry Potter. Donc là il y a eu un véritable effort qui a été fait avec effectivement comme vous pouvez le voir les bannières des différents ministères, que ce soit le ministère des Affaires magiques de la France ou le MACOSA, le Congrès magique des États-Unis d'Amérique. Là-dessus pour le coup il y a eu vraiment un vrai travail de fait, et ça à la rigueur pourquoi pas. Et là effectivement par exemple se prendre en photo avec le ministère des Affaires de la magie française ou le MACOSA, là on a envie de dire pourquoi pas, ça peut être intéressant. Alors là on a la cabine téléphonique, donc là on comprend au moins pourquoi il y a une cabine. Là on n'a toujours pas compris, mais bon c'est pas grave, on s'en remettra, hein, on n'est pas mort. Mais ce qui est certain, voilà, c'est que c'est cet événement de Harry Potter à Covent Garden, cette exposition, qu'elle soit temporaire ou non, est quand même une déception assez monumentale, et on trouve finalement assez peu de choses à dire de positif. Et en fait, concrètement, la seule chose de positif qu'on va trouver à vous dire, c'est tout simplement qu'ils ont inclus pour la première fois dans un événement Harry Potter quelque chose qui concerne Harry Potter et l'enfant maudit. Parce que jusqu'à présent, le développement de Harry Potter et l'enfant maudit était toujours finalement un peu à la remorque. Alors là, vous pouvez voir le fameux retourneur de temps tel qu'on le voit dans la pièce de théâtre. Et si c'est intéressant qu'il l'ait mis, c'est parce que on sait que la Warner Bros. A récupéré les droits sur la pièce de théâtre. Et donc là-dessus, bon, on sait que l'idée d'une adaptation, elle continue à avancer, ça se fait petit à petit dans les esprits. Voilà, faut encore un petit peu de temps, mais le fait de l'avoir inclus finalement, c'est plutôt une bonne idée, parce qu'en plus tout le monde ne va pas voir la pièce de théâtre, parce que c'est vrai que même s'il y a des prix assez démocratisés pour des shows en Angleterre, ça reste quand même cher. En plus c'est 6 heures de pièce de théâtre, donc c'est en deux parties, 2 fois 3 heures plus les entractes, donc c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. Et là pour le coup on voit des accessoires, on voit des costumes, on a assez peu de photos, pour une fois ça fait du bien, ça nous repose, vous me direz, mais voilà, là on a pour le coup quelque chose de vraiment intéressant et qu'on attendait. Et deuxième grande innovation, mais à la rigueur on a envie de dire finalement tout ça pour ça. Alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup communiqué là-dessus parce que c'était la pièce maîtresse finalement de leur exposition, et on pense de manière assez honnête que en fait ils sont assez vite rendus compte quand ils ont ouvert le lieu que leur exposition était vide, et on va oser le terme que c'était de l'attrape touriste. Donc ils ont ouvert un bar à bière au beurre. Alors là la thématisation est plutôt sympa, les décorations sont sympas aussi parce que ça a été décoré en fait par Mina Lima, qui vous le savez ont refait tous les emballages des bières au beurre, etc., qu'on peut aujourd'hui se procurer à la boutique de Mina Lima, dans ce bar, et également... à la boutique de Livesden. Là pour le coup vraiment c'est vrai qu'on a quelque chose de très très bien réussi, la thématisation elle est superbe, on voit de la bière au beurre qui circule dans les tuyaux, qui monte dans différents aspects du bar. Donc ça pour le coup c'est plutôt une bonne idée. Seul petit regret, c'est que ce bar en fait on ne peut pas y accéder si on n'a pas payé les frais d'entrée à l'exposition, donc c'est un peu dommage. Alors après la nourriture c'est sensiblement la même qu'au studio de Livesden, hein, donc partez du principe que c'est de la nourriture britannique, donc faut avoir le cœur parfois bien accroché, et bon encore qu'ils se sont améliorés par rapport à il y a quelques années, mais voilà ça reste quand même quelque chose de relativement limité, et puis surtout là aussi avec des tarifs quand même qui sont relativement élevés. Alors ensuite vous aurez une petite boutique que vous verrez dans quelques instants qu'on va pas vous commenter parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a pas grand chose mis à part 4 bouteilles de bière au beurre et 3 t-shirts qui se battent en duel. Donc vous l'aurez vu, cette exposition c'est franchement concrètement une énorme déception. Pour nous c'est une aberration même que cette exposition existe, elle n'a absolument aucun intérêt, mis à part de nous montrer des photos, alors ça des photos on en a vu, mais
là vraiment pendant des siècles, mais c'est dommage. Ils auraient vraiment pu faire autre chose. Tout est très mal thématisé, la boutique est relativement petite, il n'y a quasiment rien dedans. Vraiment, nous pour nous, ça a été un énorme regret. On aurait vraiment préféré consacrer notre argent à autre chose, parce que là, c'est vrai qu'on a eu le sentiment à la fois de perdre de l'argent, à la fois de perdre du temps. Et la Warner a survendu cette nouvelle expérience pour au final qu'il n'y ait pas grand chose et que grosso modo au bout d'une demi-heure vous ayez à peu près fini. Hein. Là on vous a mis certaines vidéos en accéléré, mais c'est pas la peine vraiment de rester plus longtemps parce que vous allez très très vite vous ennuyer. En plus, vous n'avez aucune interaction avec les membres du staff et que celles que vous avez sont pas satisfaisantes et sont même souvent, comme on vous le disait, relativement agressives, la seule envie que vous avez finalement c'est de partir et de partir très loin et très vite. Donc pour nous c'était vraiment une très très grosse déception. Alors ça arrive hein, et pourtant vous savez qu'on est fan vraiment de tout ce qui concerne Harry Potter et on adorait pouvoir vous dire que on a adoré cette exposition, mais là en l'occurrence il y avait tellement rien à voir, tellement rien à faire, et même avec des photos de mauvaise qualité cette fois-ci un peu au secours quoi. Voilà, on espère ne pas trop vous avoir dégoûté quand même, mais c'est vrai qu'on voulait vous donner notre avis en toute franchise parce que il faut être aussi réaliste sur ce qui se passe. Donc là en l'occurrence on a vu le pire de ce que Harry Potter et de ce que la Warner pouvait produire à Londres, mais restez avec nous parce que la semaine prochaine on vous montrera le meilleur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et donc on se retrouve dès mercredi pour de nouvelles aventures. À très bientôt.